Regarde, c'est la fin de votre mouvement. C'est la fin de ton mouvement qui fait la trajectoire. Pas le début. Aïe! Comment ça, la fin de mon mouvement là? Bah, en gros, par exemple, je vise la tête du caméra là. Et quand je tire, si je vise au dernier moment là-bas, et bah ça va là-bas. Ok, ok. Moi j'ai. Tu veux dire, si je vise en bas, ça va aller en bas? Si je vise en haut, ça va aller en haut? Qu'est-ce que. Écoute, écoute, regarde. Vise. Je sais pas, vise la tête du caméraman. Ouais. Et tire. Et au dernier moment, bouge à droite. Tu vas voir, la balle, elle va pas tirer à droite. Bah oui, mais c'est. Et si c'est je vais viser à la base, c'est pas à partir du moment où tu tires, la trajectoire est. Non mais d'accord, mais. Oui, non mais. Quoi. Non mais. Mais c'est logique, ça. C'est... Non mais qu'est-ce que tu racontes toi là? Mais en fait on a compris vous comment tirer. Hein. Non mais il est non mais c'est fou ça. Bon, c'est pas grave, on ira au talent. Ah OK, en fait j'ai compris, vous voulez pas comprendre. Non, on a compris. C'est justement, on a compris. Bah, tant mieux si vous avez compris. Ah oui. Le Dalai Lama. Il faut que tu fasses la C, monsieur. Ça va être chaud. Hein. Yeah. Tu fasses la C. Moi je suis à 3ème échelle. Oh, ça t'a un coup quoi? Je sais pas. Dans les couilles! Dans les couilles! Qu'est-ce que tu préfères? Moi je me mets à la dernière, ceux qui doivent aller à leur position, s'il vous plaît. Je crois que tu seras à la 4ème ou la 5ème si tu veux. Moi je suis à la 3ème. Ouais, mais ça t'a un coup? Ouais, si tu veux, ouais, vas-y, et moi je te donnerai le témoin. Faut viser plus bas. Vas-y, go, se mettre en place. Ah, tu vois, si. Ouais, je pense que c'est jouable. Et après, regarde, vas-y. En fait, les gars, François, écoute. Ouais, j'écoute. Le moment le plus facile, c'est quand ils sont aux échelles. Faut viser un tout petit peu en dessous d'eux. En dessous, ouais. Ouais. Et quand ils sont aux échelles. Non, mais en fait, si on arrive à en descendre un, on le brûle. Ils remontent jamais. Et dans ce cas-là, ils vont jamais gagner. Ok. Bonne Parce pratique. Qu'il faut. Il faut vraiment qu'on arrive. Je pense que on prend le rouge là-bas, là, le mec en rouge, et ouais. et on le laisse jamais remonter. Et s'il remonte pas, personne. Ah ben personne pourra passer le relais. Il sera obligé de remonter. Ok, c'est intelligent de fou ça. Donc on focus les geeks là-bas. Imagine, il remonte, ça veut dire, genre, imagine on aura tous les trois notre boule. Moi je pense que c'est trop risqué, tu vois, quand ils sont là en train de marcher sur le truc. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est quand ils sont sur la plateforme et sur les échelles. Après c'est quand on sera sur la plateforme hein, qu'on peut tirer, hein, ici. Bah justement. Restez sur votre plateforme, ouais. Justement, c'est là où c'est le plus simple. Ouais. Pour les échelles. Donc on fait quoi, le manteau rouge? S'il vous plaît, là-haut, montez sur votre plateforme. Il va se faire voter si je fais ça. Non, ok, François, t'es d'accord, on focalise le. C'est tordu, mais bougrement intelligent. Ah, mais oui, mais attends. S'ils remontent jamais à l'échelle, ils n'auront jamais fini. Ouais. Exactement, en plus, le mec en rouge n'a même mais pas de chaussures. Est-ce que tu sais si on touche sur l'échelle, s'il tombe? Si, je viens d'essayer, il tombe. Ok. Regarde, on va essayer. Ah, essaye, à gauche là. Attendez, j'essaye. Essaye. Ah là, il va monter là. Ça comment ça? Dès que j'arrive à la fin de la poutre, hop, ça, bah, je tombe dans l'eau. Je sais pas, je vais voir. Mais montez sur votre plateforme, s'il vous plaît. Vas-y! Là, vas-y, là! Tout va s'arranger! C'est bon, ok, c'est bon. En plus, je crois que ça fait mal un petit peu la Ah oui? Ah oui? Du coup, dans l'eau, il est un peu, tu vois, un peu. Avant de remonter. Très bien. Ah, on va s'amuser si on arrive à faire ça. C'est parti, les gars! OMG! Du coup, lui ou le rouge? Moi je pense le rouge. Le oui. Rouge. Quand est-ce que ça commence? Il a pas idée de ce qu'on va lui faire, lui! Si jamais il remonte jamais à l'échelle! Il a pas idée!
Bah si, s'il bouge sur la plateforme il peut. Non mais peut-être pas tomber maintenant. Ah mais attends, imagine, il fait des abdos, il peut pas tomber. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Et chef, s'ils font des abdos, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas tomber. Personne ne tire. Mettez-vous derrière la ligne, tout le monde. Oui, mais s'ils font des abdos, on peut pas les, ouais, les faire tomber. Il faut leur dire de pas faire des abdos. Le monsieur là-bas, il fait des abdos, là, le monsieur en rouge. Le monsieur en rouge, il fait des abdos. Ok, mais attendez, on n'a pas commencé encore, vous inquiétez. Ok. Excusez-moi, monsieur propre. À gauche, à gauche, à gauche, entraînez-vous à gauche, entraînez-vous à gauche. J'ai plus besoin de m'entraîner, j'ai compris la mécanique. Bon, là, ouais, c'est terminé. Hein. Il y en a plus un qui remonte, hein. Je te le dis. Franchement, t'as une super, super idée, hein, Narine. Eh, peut-être qu'on devrait commencer sur le gars à gauche, là. Bah, peut-être, ouais, comme ça, on prend un peu d'avance, on prend d'avance. Celui-là, là. Ouais, ouais, okay. Celui-là. Ouais, le premier, là. Ok, ok. Ouais, mais, ouais. Vas-y. Ouais, ouais, on essaie de le faire tomber, si on arrive à le faire tomber. Ça a commencé ? Ça me va. A commencé de notre côté, mais pas du leur. Non, 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 pas encore. Ils ont juste déterminé ceux qui prennent le. Je vais tirer à droite, un petit peu à droite, au cas où si le monsieur il commence à esquiver, tu sais. Quelqu'un lui tire dessus directement et quelqu'un tire à gauche. Et comme ça, on est sûr de le niquer. Tu tires un tout petit peu à gauche, François, ok. À gauche duquel du premier. Lui là, ouais. Ok. Enfin, le deuxième du coup, mais oui. On est d'accord que vous voulez qu'on lui tire dessus quand il est sur l'échelle, non? Non, 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 là on lui tire dessus pour le faire tomber. Et s'il tombe, après on recharge et on le fait tomber là, à l'échelle. Mais sur l'échelle, okay. Ouais, ouais, il faudrait pas tous tirer en même temps. Ouais, garde ta boule, Si on arrive à le faire tomber, François, si on n'y arrive pas, Buddy, il faut que tu tires. Pendant que nous on recharge. Si je vois que vous le loupez, tous les deux. Ouais, ouais. Parce qu'après, idéalement, en fait, il faut qu'on ait une rotation de rechargement pour que le gars ne remonte jamais. Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est lui qui commence? Non, non, c'est le deuxième. Non, non, regarde, François, c'est là. Ouais. C'est elle qui commence là-bas. Ok, ah oui, et lui. Elle va monter, elle va devoir faire l'exercice. Donc nous, on va pas focus sur elle qui est en train de faire l'exercice, on va focus sur lui parce que lui va faire l'exercice suivant. Et si elle peut pas lui donner le relais, eh bien c'est foutu. ouais, c'est bon. Ok. Et si jamais au milieu du truc, parce qu'il se trouve qu'on est trop cheaté, ils disent vous avez pas le droit de viser les gens sur les échelles, on focus les autres, on les fait tous tomber. Bah écoute, hein, on verra, mais viens déjà on leur fait perdre un max de temps sur les échelles. Ah ça va être trop marrant putain. Attention, ça va commencer. Messieurs, on va tout déboîter. C'est parti pour le show. Je vois que François, vous avez mis vos bottes. C'est parti pour le show. Mes bottes de compétition. Ouais, j'aime bien. Et là, quand ça va commencer, on doit aller sur la plateforme, on est d'accord, hein? On va d'abord sur la plateforme. Allez. Allez, on le tue. Allez. Putain, je l'ai pas bronché. Il tombe pas. Vous devez toucher la personne qui traverse, hein. Ah, on a pas le droit de faire ça là. C'est peut-être plus logique pour vous, non, peut-être. Bah non, si on a le droit, on a le droit. Vas-y, François. Le suivant. Oh, magnifique! Magnifique! Vas-y, je prends le bras! Prends-le! Ça va mal! Ah, waouh! Non, on pue la merde! Le suivant! Et ensuite, sur le mec maillot jaune là en face! Celui devant! Ouais, devant! Il prend pas, il est solide. Sur le. Ouais, mais regarde, il va tomber. Vas-y, prends-toi.
Allez! Putain, c'est pas possible. Putain, il a, ça a lagué, les gars. Ah, oh, j'étais trop con. Ok, on passe sur le rouge, on passe sur le rouge. On passe sur le rouge. Allez, les gars, allez, les gars, allez, les gars. Ah bah on est mieux qu'eux, hein, on est mieux qu'eux, on est bien. Peut-être mieux on devrait. Ouais, ouais. On a la fin de la montée, on a la fin. Ah ouais, de la montée. Ah ouais, ah ouais. Ah, oh, il est incroyable, incroyable. Eh hey, les gars, les gars, les gars. Code rouge, code rouge, code rouge. Mais il prend pas. Il prend pas, putain, il prend pas, les gars. Je suis dessus. Incroyable! Code rouge, l'aisselle! Et c'est la gauche! Et c'est la gauche, code rouge! Il tombe tout seul, lui, t'inquiète! Ah ouais, vas-y! Ah! Ouais! Let's go! Let's go, les gars! Eh les gars, code rouge à droite! Code rouge à droite! Code rouge à droite. Yes. Vas-y François, à droite François. Oh oui, bon, bon, c'est bon. Il est encore tombé, il est encore tombé. Allez. Il est encore tombé. Je fais. Oh. La poutre, la poutre. La poutre, la poutre. Magnifique! Magnifique! Code rouge à droite, code rouge à droite! Echo, Echo, Echo! Yes! Yes! Il y a pas donné, il y a pas donné. Il a pas le droit. Eh les gars, venez, on le chope à l'échelle. À l'échelle, à l'échelle, à l'échelle, à l'échelle. Il remonte l'échelle, il triche. Ça triche, hein, ça triche de baiser. Il triche, il triche, il triche, il triche, il triche. Ils sont où les nôtres? Eh, il triche. T'inquiète. Mais quoi? Ils ont perdu dans tous les cas, ils ont triché. Ah oui, sûr. Ouais, ouais, ils trichent, ils trichent. Goal sortir, goal sortir, sortez-le. Il passera jamais, lui. C'est bon, j'ai eu. Bien joué, bien joué, bien joué. Headshot. Ah, si, c'est bon. Headshot. Let's go. C'était le geek qui devait y aller, ouais, ouais, c'était le geek. On peut pas le mettre à l'échelle, lui. Ah, ouais, je sais, je sais. Eh, faut viser un peu haut, un peu haut, un peu haut. Viser un peu haut. Putain, j'ai pas eu. C'est bon, on a gagné. Voilà, on va là-bas, on va là-bas, t'inquiète. C'est bon, on a gagné là-bas. Bon. On a gagné? On a gagné? Ouais, c'est bon. Allez. Ah, yeah, bien joué, les gars! Bien joué, François! Bien joué! Ouais. Let's go! Les gars, les gars! Ouais! Vous êtes des champions! Les gars, let's go! Champions! Oh là là! On est le champion! On est le champion! Ouais! Ouais, ouais! Ouais! Les gars! Les gars! Les gars! Les gars! Les gars! Narin MVP de BV! Ah les gars, on les a, on les a Stunlock. Magnifique, les gars, bien joué au tireur. Les gars, bien joué au tireur, les mecs. GG les gars, GG. Donc t'as vu le grand écart que j'ai fait sur la poutre ou pas? T'as vu, c'est ouf. Les jaunes, un petit mot à la caméra pour la victoire. Ouais, j'ai vu. C'est magnifique. Les rouges ont les belles. Elles ont les belles. Ouais, les rouges, c'est des losers. Les rouges, ils ont perdu. Allez, suivez-nous s'il vous plaît, les jaunes, merci.
Ouais, et mais où regardez les gars. Allez tiens. Les rouges, les rouges. Loser. Loser. Ah oui, oui, il y a chaque fois la triche. Ils ont triché. Oui, oui, ils ont triché. Ils ont triché, ouais. Ah, pas besoin de tricher. Pas besoin de tricher quand t'étais là. Les jaunes, venez avec moi, s'il vous plaît, les jaunes. Toi, t'as triché, toi, t'as triché. Les gars, faites le boulot en face. Vous donne le relais. Les jaunes, les jaunes, les jaunes. Pour force, c'est la triche, alors oui, on a triché. Mais déjà, il tirait à 4. Il n'y avait pas de relais sur les tireurs. Il tirait à 4 en plus. Eh, les gars, à 3. A 3, on les a empêchés de jouer, ils ont pas fini le parcours. Bien joué. Hop là, bien joué. Il fait là. Bon, c'était 4, hein, c'était 4. Un peu de calme, s'il vous plaît. Ils sont juste mauvais joueurs et nuls, c'est tout. Monsieur François. Nul, nul. Je suis désolé, l'équipe, j'ai beaucoup glissé, je suis désolé. On a gagné, Faut gérer, vous avez été trop fort, bravo. On a gagné quoi exactement, on sait pas. Eh, par contre, écoute, présentateur. Laissez le présentateur parler maintenant. Vous m'entendez, monsieur le présentateur ? Oui, je vous entends. Eh, faudrait commencer à arrêter de sucer les jaunes comme ça. Ils ont fait que tricher tout le long. Tu veux quoi, toi ? Eh, lui ! Eh, t'es tombé 50 fois, qu'est-ce que tu dis là ? T'es tombé 50 fois ! Sécurité. T'es tombé 50 fois ! Les jeunes, si vous rejoignez pas votre équipe tout de suite, vous aurez pas votre récompense, ça sera donné au rouge. Vous avez 5 secondes. Casse-toi, toi ! 2. Douglas, je vais te tuer, viens. 0. Non, François non. Pignon. François. À cause de vous. Non. Mais pourquoi vous calmez pas ça, mais vous les autres. Quand ils disent de revenir, fallait revenir. Non, j'allais enfin faire autre chose de ma vie. Qu'on soit clair, je vous ai prévenu plusieurs fois hier, je vous ai prévenu plusieurs fois. J'ai voulu défendre notre équipe, t'as pas vu ce qu'il disait sur nous. Sur la décision cette fois. Allez, je pensais pas que tu allais dire ça. Le silence est d'or, tu comprends? C'est trop drôle. Mais putain, la combinaison de plongée, voilà. J'allais faire autre chose de ma vie. J'ai mis des poids en apnée. J'ai tout donné, putain. Je suis un fonctionnaire de l'administration. Je ne peux rien faire pour vous, c'est trop tard. En fait, ça fait à peu près 10 fois que vous me faites, que vous me dites plus jamais depuis le début. Il y a déjà eu trop de dernières fois. Vas-y. Ouais. Je sens qu'on vient de passer devant une récompense de fou là. Non, vous savez quoi, j'allais peut-être faire autre chose que de regarder mon potager. Tu trouves une grotte sous l'eau, carrément. M'en parle pas, j'en suis sûr que c'est ça. Tu trouves un souterrain avec un navire. Non, je suis abattu. Non, mais attends. Toi, t'es abattu? J'allais peut-être faire autre chose que du potager. Qui m'a pris la tenue là pendant que je la donnais? Qui l'a? Monsieur Lewis, je suis honnête, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que Denis plongeait dans les preuves. Là, on a bien fait de les provoquer. S'il vous plaît, vous avez 5 secondes pour me la rendre. Tenez, je l'ai rendu, vous voyez bien. Monsieur Lewis, regardez. Ça, c'est gage de bonne volonté. Merci. Ça, c'est de l'honnêteté. Bravo, vous serez récompensé pour cette honnêteté. Récompensé avec une combinaison de plongée, peut-être, non? Vous avez dit qu'ils ont triché ou pas? On l'a dit, mais parce qu'en plus, c'est regardez cette belle combinaison que vous aurez. C'est magnifique, non? Oh, la dégaine, il a encore là-bas, les vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Et imagine ce qu'on aurait pu explorer dans les fonds marins. Tranquille, arrêtez de penser. Non, mais ça se trouve, la. Hein? T'as dit quoi? Mais monsieur, non, les Alpes. C'est eux qui ont foutu la merde au début. Chef d'équipe, non, je François, tiens. Mais non, François, on t'en veut, mais c'est pas grave, au fond. Vas-y, chouine, laisse-le chouiner. Chouine un peu, chouine fort. Chouine fort, François, ça fait de la peine. Pleure. François, c'est pas si grave. C'est pas grave, François. T'as dit quoi sur Delphine, toi? Bravo les rouges. Est-ce que vous êtes le capitaine d'équipe? Je me trompe, je suis pas le capitaine, mais. Bon, pour cette épreuve, si.
Vous semblez agir comme un capitaine d'équipe, ce qui est tout à votre honneur. Oui. Sachez qu'à partir de maintenant, ça sera de votre responsabilité si François n'écoute pas les indications. Bah ok, mais donnez-nous la combinaison alors, il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, François, il va sauter. Responsabilité de mon équipe. Engage de bonne volonté. J'assumerai toutes les erreurs. C'est trop tard, hein. Je vous ai prévenu 50 fois hier, là c'est trop tard. Mais non, mais moi, j'ai... Monsieur Lewis, entendez-nous. Mais non, mais non seulement les rouges ont triché pendant l'épreuve. Monsieur Lewis, je suis d'accord avec vous. On a été réglo. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi eux qui ont foutu la merde aussi, qui faisaient partie de ce caramboulage, ils ont la réglo. Normalement, on devrait être punis tous les deux. Super. Vous êtes une équipe. Mais si quelqu'un est puni, c'est votre équipe qui est punie. Mais ils devraient être punis aussi, du coup. Ils ont fait déconner du bordel, voire si c'était plus qu'ils ont fait du bordel. Pourquoi ils auraient la réponse ? Écoutez, monsieur Jack, je vous ai vu monter sur la mauvaise plateforme, vous avez triché aussi. Cette excuse ne marche pas. Moi ? Oui. Moi ? Ah. Oui. Oui, vous. Il a pas triché. Mais comme ça, c'est. Ah ! Vous êtes tombé au bout de votre épreuve et vous êtes remonté directement sur la plateforme. Non, il est monté sur ma plateforme. Il a glissé sur ma plateforme et il est remonté. Mais il est vraiment arrivé à la fin. Il avait fini sa poutre. Il avait fini 100%. On n'a pas de tricheur, nous. Il ne pouvait pas lui passer le relais, sinon. Pardon, monsieur. Justement, le but du jeu, c'était de passer le relais. Les rouges avaient 4 tireurs non-stop. Il n'y avait pas de relais sur les tirs. Monsieur. On s'est fait niquer, mais c'est pas grave. De toute façon, on tourne à vos camps. Il y a qu'une seule personne à qui vous devez vous en prendre, c'est François. Bah oui, on sait que François il a commis une erreur, mais là. Non, c'est pas une erreur. Il a commis une erreur à chaque épreuve. C'est qui bug dans votre équipe ? À chaque fois, c'était lui qui fallait reprendre. À chaque fois, c'était lui qu'il fallait reprendre. Ça c'est réel ! Ça c'est réel ! Bon, rentrer, ça sert à rien du tout. Je peux m'en foutre avec vous, monsieur Lewis. Et... ça doit être ça. Il y a plus une erreur à chaque épreuve. Oh putain. C'est pas grave, Narine. Au moins, on s'est bien battu en vrai. Et puis une commune. J'allais peut-être faire autre chose que du. Ah ouais, non. Non, t'inquiète. J'allais peut-être faire autre chose pour une fois dans ma vie en 5 jours. J'allais peut-être faire autre chose que de regarder le sol. À arroser le potager. Ouais. C'est pas si grave. Non mais Narine. Non mais c'est rien. Non, t'inquiète. Allez, maintenant parle de Delphine. Allez, vas-y. Finis-moi. Mais je parle pas de Delphine, moi, Narine. Ah ouais, vas-y. Allez, s'il vous plaît, rejoignez vos bateaux. Il y a une seule personne qui était pas à son rang 5 secondes plus tard, même 30 secondes plus tard, c'était vous chez les jaunes. Je sens que vous êtes quelqu'un de loyal. La compétition, on l'a gagnée. On mérite quelque chose, quoi qu'il arrive. On peut avoir au moins un sac de riz, des crabes. Ça serait correct de votre part. Vous avez de la parole. J'y réfléchis. On a perdu la combinaison, mais on peut avoir quelque chose. Eux, ils auraient la combinaison. Les gagnants gagnent quelque chose. C'est ça, Clark. Je sens que vous avez de la moralité. Qu'est-ce que t'en penses ? Ils ont gagné l'épreuve, mais ils ont été punis parce que ils voulaient pas se mettre en rang. Et du coup, ils ont perdu la récompense de l'épreuve. Et maintenant, ils réclament un sac de riz. Ils pleurent après une récompense. Éclaire-moi, c'était quoi la récompense ? Une combinaison de plongée. De la merde, ils en ont rien à foutre de ça. C'est bon. Pour une combinaison. Mais bien sûr, j'en pleure d'une combinaison. En vrai. Non, Habib. Je veux dire pourquoi elle est si chiasse, la combinaison. Elle permet d'aller là où il y a des, là où t'as froid. On veut quelque chose. Ça sert à ça, la combinaison. Ça sert pas à respirer. C'est pas les bouteilles qu'on a gagnées. C'est une combinaison. C'est pour le froid. Mettez-vous face caméra quand vous pleurez, mettez-vous face caméra. La production l'a fait bien sûr. Alors, j'ai une petite proposition à vous faire. Lewis, t'as l'air la pute. Taisez-vous. J'ai une petite proposition à vous faire. Oui, on vous écoute. Vous allez faire une petite baston. Ok. Satisfaisante. Si elle donne du plaisir à nos téléspectateurs, vous aurez une récompense. Vous se mettre à poil. Mais tu entends que l'une à toi, Lewis, c'est ça, moi ça me va, hein. Je suis chaud, je suis là. Désignez hein. Deux personnes qui vont se battre entre eux. Les gars, on vous remercie pour votre offre, mais on va la refuser. On n'en a pas besoin. Merci beaucoup, monsieur Tom Lewis.
Les gars, attrapez-moi, je vais vous battre. Non, 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 des non, suivez-moi, suivez-moi. Battez-vous, soyez sanguinaires. Battez-vous jusqu'au sang. Oui. Mais non, mais. Ah, mais continue, Hassan. Ah, voilà, Hassan. Arrête, Hassan, arrête, Hassan. Oh, une donation de 20 000 dollars. Donation de 35 000 dollars, directement. Arrête, arrête, arrête. 35 000 dollars pour ça. Écoute-moi, mais écoute-moi. Ça s'est terminé très vite, mais nous avons une petite donation de 55 000 dollars. Allez. Vous méritez une petite récompense. 55 000 ? Ok, casse-moi la gueule, Jack, casse-moi la gueule. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, venez avec moi, venez. On peut au moins leur donner la tuba, non ? Mais écoutez-moi, 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 les gars. Deux secondes, Jack. On récupère la récompense, on rentre au camp et après on t'écoute. Je suis désolé. Et y'a pas de problème, Hassan. Tenez. Voilà un petit nuggets de poulet bien frit et non, bien croustillant. Le tuba, monsieur à gauche. Oh, nuggets, c'est lourd, merci. C'est bien, Chad, c'est très bien. Sachez que c'est très bien ce qui se passe là. Ça nous apprend un petit peu plus ce RP et ça nous. Tu sais, genre, on ressent un peu de douleur, les gars. C'est bien de ressentir de la douleur. C'est très bien de ressentir la douleur, les gars. En fait, c'est une douleur qu'on n'a pas ressentie depuis le début du jeu. Cette espèce de douleur d'injustice, machin, tu vois. On n'a pas ressenti... Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une combinaison de plongée. Ouais, et donc, ça permet d'aller dans les eaux froides. Dans les eaux profondes, surtout. Ah, c'est pour ça. Non, non, froide, froide. Combinaison, c'est pour le froid. Imagine. Mais Narine, Narine, si tu mets plein de manteaux avant de bouger, ça aide, non ? Ah, mais je crois que ça. Ah, non, j'ai essayé. Avec l'oxygène et tout, non ? Ouais, non, 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 il l'a mise. Il l'a mise. Et il n'y a pas. C'est juste pour le froid. Il donc, a dit une tenue complète de plongée. Et tout à l'heure, il a dit complète. Bah, je sais pas s'il y a les bouteilles, mais en tout cas, tout à l'heure, il l'a mise et il n'y avait pas les bouteilles. S'il nous donne vraiment un tuba, ou peut-être il se foutait notre gueule, un tuba, c'est pratique. Ah, il va nous donner quelque chose du coup ? Ouais, on. Il a donné une nugget, quoi. Moi je vous dis, je suis au fond, c'est terrible. Ouais, franchement ça fait mal là. Là j'allais peut-être faire autre chose que de regarder un potager. À toutes les épreuves, tous les jours, à toutes les épreuves, ils en peuvent plus et c'est normal. Mais s'il vous plaît, quand il y a les épreuves, on se concentre. Quand ils commencent à parler, on se concentre. Alors là, vous voyez Habib, vous utilisez le terme vous. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. J'ai dit François. Ouais, là, c'est François là. J'ai pas eu lui en vouloir, mais là. Ouais, mais on est. Non, mais même toi, Douglas, t'étais à une seconde. T'étais à une seconde de nous pénaliser aussi. Les gars. Donc... Quand bah, les gars. Là, avant de. Bah, dire, non, quand il a dit on rentre, je suis rentré. Oui, mais t'étais à une seconde. Attendez, deux secondes. Je trouve ça un peu culotté que tu parles de François. Bah non, moi, François, j'en veux pas, justement. On va pas rester bloqué sur la défaite, là encore. On va avancer. Non, mais non. En plus, on a pas perdu. Non, mais on débrief. C'est important de débrief. Prochaines épreuves, les gars. Histoire que la prochaine fois qu'on gagne, je vous mets des crabes au sol, mangez tous, et on va commencer à aller chercher ce bunker. Et on va être en avance. Attendez d'abord. Allez, je vous mets des crabes. J'ai un truc à dire. Mangez. J'ai un truc à dire. Ousmane, leur capitaine, avant de partir, il parlait, il m'a dit. Mettez-vous sur la fréquence 112.10, ils ont une échange d'informations à nous proposer. Ok, ok. Oh. Ah, j'ai la radio. Les gars. Mais je sais pas s'ils savent que c'est toi. Mangez des crabes, les gars, mangez des crabes. Ils m'ont dit, mangez, c'est toi la radio. Les gars. Combien la fréquence, t'as dit ? 112.10. Oui, Jack. Oui, Jack. Mouche, on devrait peut-être aller chercher. Jack, s'il vous plaît. Salut, François. On l'a envoyé nager. S'il vous plaît. Allô. Vas-y, Jack. S'il vous plaît. T'écoute. La combinaison de plongée, en fait, je sais à quoi elle sert, d'accord ? Sauf que l'élément, enfin la chose en fait à quoi elle sert, moi j'ai déjà récupéré, suivez-moi, je vais vous montrer un truc. Ah, venez. Mais tu sais comment tu sais ? Enlevez vos habits et suivez-moi. Je peux pas. Ah c'est bon, je peux nager comme ça. Bah... Nager ? Ouais, je sais pas pourquoi. Ok, suivez-moi, je vais vous montrer un truc. J'ai trouvé ça hier. Quoi ? Mais ça trouve ce truc, ils l'ont trouvé aussi ? Non, je pense pas, c'est pour ça qu'il leur a donné, je pense. Non. Jack, vous êtes où, Jack? Vous êtes où, les mecs? Ils sont sous l'eau, peut-être? Il nous faut un pied de biche, pied de biche! Il est là, il nous faut un pied de biche! J'ai un coffre ici! Incroyable! En dessous de moi, il y a un cadavre! En dessous de moi, il y a un cadavre, les gars!
Non mais attends, 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 j'ai trouvé un coffre aussi, il faut un pied de biche. Il nous faut un pied de biche. Il nous faut un pied de biche. Ok. Ça Va être non, non, c'est pas ça qu'on cherche. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle sert pas à ça. Je pense pas que ce soit ça. Qui dans la... Attends, qui se noie? Oh, comment tu le portes là? Là, c'est bon. Pour moi, les gars, je sais, il est trop bête, c'est un coup. T'es où, François? T'es où, François? C'est bon? Vous me recevez 5 sur 5? Jack, oui, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi? Pourquoi? En fait, la combinaison de plongée, écoute, ça a du sens de mettre une combinaison pour les mers froides, glaciales. Tu vois ce que je veux dire? Attends, il y a un truc, il y a un autre truc. Tu te rappelles du truc que t'avais? Jack, on a besoin de. Tu l'as vu le truc là? De quoi? C'est moi. Jack, tu l'as vu? François, il a trouvé un truc. François, il a trouvé un truc. Il faut un pied. Je sais pas si tu l'as vu. Allô, il faut un pied de biche. J'ai trouvé un coffre, il faut un pied de biche. J'en ai un. Mais quoi? T'as un pied de biche? Vas-y, donne le pied de biche, donne le pied de biche. Je le garde, viens. Ça va? Viens avec moi, vas-y, viens, je te guide. Vas-y. Il est là. T'es sûr, on peut l'ouvrir sous l'eau, François? Oui, je crois. Viens. J'ai envie de mourir, mais les gars, j'ai envie de mourir, mais en fait, ça va sortir tout seul. J'ai pas le pied de biche, moi. Jack, tu l'as, c'est bon? Douglas, t'as pied? Non, j'ai pas de pied, mais il est où, Jack? Mais Jack! Mais attends, j'arrive pas à l'ouvrir, 2 secondes! Jack, tu veux que je le fasse? Attends, je reste une dernière fois. Le mec sort des pieds de biche de ses poches et personne dit rien. L'autre, il s'est révélé le coffre alors que j'ai dit pendant 3 heures. Vas-y, j'ai envie de péter. J'ai envie de faire péter une bombe nucléaire sur cette île. Je vous le dis, j'ai envie de faire péter une bombe nucléaire sur cette île. Prends le pied, je vais tes mains. C'est bon le coffre? Non, j'arrive le coffre. Pas à l'ouvrir, les gars, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais pourquoi t'arrives pas? Ok, tiens. T'as mis où le pied de biche? Je te vois pas avec le pied de biche là. Il est où le pied de biche, Jack? Alors, t'y arrives ou pas? Blablabla. Viens, suis-moi. Regroupement. Jack, rien à voir, mais t'as trouvé où le pied de biche? Allez chercher. Le biche était sur le cadavre, les gars. Non, attends, Habib, François, il a trouvé un coffre sous l'eau avec un pied de biche et Jack, il a un. Vas-y. Il a un pied de biche, donc on peut l'ouvrir. Attends, Jack, est-ce que t'as trouvé d'autres trucs, s'il te plaît? Non, vas-y, ouais, Jack, j'ai trouvé un coffre. Attends, non, bah, François, attends, parce que Jack. J'y vais. Attends, François, s'il te plaît, m'écoutez pas. Ah, c'est mort, on peut pas. Y'a rien? Ah, y'a rien, il a ouvert, y'a rien. Y'a rien dedans, non? Sinon, hey, chat, j'ai une théorie, il l'a pris. Hein. Il l'a pris, il le dit pas. Comme d'hab en fait. Y'a rien, je crois qu'il y a rien dans le coffre. Ouais, viens, on t'attend, on va tout mettre à plat et tout là, viens. Ok, je pense que Jack a pris ce qu'il y avait dans le coffre et nous le dit pas. Ouais, mais là on va tout. Là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là. Là c'est trop. Moi j'ai envie de faire péter une bombe nucléaire sur cette île, j'en peux plus. Ah bah non, pas sur nous.
Tiens, y'a rien dans le coffre, tiens. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, 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 c'est bon, réunion. François a quelque chose à nous dire suite à l'épreuve, vas-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de coups, arrêtez, arrêtez, arrêtez. J'en supplie, un peu de calme, un peu de calme. Je voulais vous dire que je m'excuse pour l'épreuve. Je voulais pas qu'on perde la tenue de plongée Décathlon. J'ai pas fait exprès. Ok, c'est pas grave, François, moi je te pardonne personnellement. Moi je te pardonne aussi. Ah, François, je te pardonne. Okay. Moi aussi j'ai déconné, moi je suis voulu, mais pardonné. Moi aussi j'ai me pardonné, François. Avant que je laisse Jack parler, parce qu'il a beaucoup de choses à nous partager apparemment, moi j'ai eu un contact radio avec le chef de l'équipe adverse, qui me semble pas très malin. Il m'a donné des lettres qui sont en face du bunker qu'ils ont trouvé avec la carte. Vous vous souvenez, on avait une carte et on n'est jamais parti au point. Les lettres sur ce bunker sont AB pour eux. Je pense qu'il a besoin des lettres qui sont écrites sur notre bunker, peut-être pour ouvrir le leur. Ok. Ok, pause. Donc après cette discussion, on va manger, boire, etc. Et on ira directement au bunker qui parle. Ok. Ok, pause. Ok. Buddy, déjà, vas-y, Bud. Déjà, t'as parlé d'une carte. Je n'en ai pas vu la couleur une seule fois. Alors moi, j'aimerais que tous les petits trucs comme ça, ils restent dans des coffres. Comme ça, si jamais quelqu'un il veut regarder quand il veut, il peut. Buddy, tout le monde l'a vu la carte quasiment, y'a que toi qui l'a pas vu. Non, pas moi. Moi par contre je suis d'accord, sur Jack, il faut que tu nous dises tous les objectifs. Non mais attends, laissez Jack parler maintenant. Attends, François, t'as un truc à dire, François. Avant que j'entende, c'est long. Moi c'est long les gars. Moi les gars, j'ai un truc à dire. Narine, on te dérange, lève-toi, viens avec nous. Non, non, je suis là, j'écoute, je me repose en même temps. Il se repose, il récupère, il a raison en vrai. Les amis, je vais commencer à faire le feu en même temps. Je pense que ça peut être pratique par rapport à la nuit là. Écoutez-moi bien. Il était une fois. Oula. Un homme nommé Jack Spardoug. Un homme vraiment fort. J'ai envie de faire péter une bombe nucléaire là. J'ai envie de voir la bombe nucléaire péter cette île démoniaque de merde, j'en peux plus. Carte l'emmena à un point. Non mais plus sérieusement. Ah. Vas-y, accélère. En gros, en fait. Oh. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez matinal, donc je me lève assez tôt en fait par rapport au reste du camp. Et je suis parti en fait, donc pareil, tu sais, chercher des ressources, etc. Et là, j'ai trouvé en fait par terre une carte, d'accord. Cette carte, je voulais vous la poser, vous inquiétez pas. Là, je la pose ici s'il y en a qui veulent la regarder. Cette carte, en fait, c'est juste la carte de l'île qui montre un peu les ressources qu'on a en fait sur l'île. Et il n'y a rien de spécial, en fait, elle montre juste le point d'eau, elle montre les zones un peu de danger, etc. C'est avec ça que t'as trouvé l'eau ou tu l'avais déjà trouvé? Non, j'avais déjà trouvé avant l'eau en fait. Ça j'ai trouvé genre deux jours après, tu vois. Et en fait, sur cette fameuse carte, coach, si jamais tu l'as dans les mains, en fait, en haut, tu as un bouton pour retourner la carte. Je sais pas si tu peux la retourner la carte. Ah, j'ai pas retourné. Retourne la carte. Et tu vois qu'en la retournant, en fait, il y a un point de configuration qui apparaît. On a plus le bois. Tu l'as depuis quand? Je l'ai depuis. Le feu va s'éteindre pendant la nuit. Ça fait deux semaines et tu me dis que maintenant? Non, je l'ai depuis deux jours, c'est deux jours que je l'ai en fait. Ok, les gars. Autre question, avant que tu puisses continuer, Jack. Qui d'autre était au courant ici, soyez honnête? Je l'ai trouvé hier, je suis en ouf, je l'ai trouvé hier. Qui d'autre était au courant ici, soyez honnête? Camélia. S'il vous plaît, quand vous trouvez des trucs, s'il vous plaît, juste dites-le parce qu'on n'avance pas sinon. Vraiment. J'ai une autre question. Pourquoi dans le coffre il n'y avait rien? Quel coffre? Parce que là, je crois qu'il y avait cette carte. Ah, il y avait carte. Rien dedans. Où as-tu trouvé la carte? Dans le coffre. Le feu. Dans quoi, dans le coffre? Voilà. Rien. Allez, c'est bon. Jack. Il s'exprime pas. Il a peut-être déjà ouvert. Okay. Ah ouais, non, c'est ça, je suis en train. Il s'exprime pas, exprime-toi. Moi? Ouais. Attends qu'on parle. Il y avait quoi? Un collier d'immunité, par exemple? Ah. Non, zéro pour le coup. Écoutez-moi, j'ai pas fini. En fait, cette fameuse carte que t'as sur toi, si jamais tu regardes en fait au niveau de la plage, c'est quoi ça? Il y a en fait un point d'interrogation, ok? J'y suis allé à ce fameux point d'interrogation. Chat, c'est quoi et ça? Dessus, j'ai trouvé donc sur le cadavre, j'ai trouvé donc le pied de biche, ok? Et en ouvrant ce fameux coffre, parce que du coup, hier j'ai réussi à ouvrir. What the fuck? C'est quoi ces conneries? Une bourde, ok? Et une lampe torche. Cet homme est en train de mentir. Il y a un problème. Ok, la lampe torche, ok. T'avais une lampe torche. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit ça? Attends, deux secondes. J'ai une question. Parlé hier, tout le monde complétait contre tout le monde. On a combien de gourdes dans tout dans le camp? On doit avoir 5 ou 6, je crois. Hein? C'est où là? Non, mais c'est un bug. C'est un bug, je pense que c'est le slot. Ouais, on en a autant?
Normalement, il y en avait deux dans la glacière. Deux moi, j'en ai quatre répertoriés, et mais deux, j'en, bah, j'en connais pas six. Il en a récupéré qu'une. Ah ben 5 alors. Dans ce cas-là. Est-ce que je peux voir à quoi ressemble la carte? J'ai une information sur la carte. 4 gourdes. Les gars, j'ai une information sur la carte. Merci, je regarde. Qui c'est qui a le livre là des instructions avec les remèdes et tout? Non, je l'ai pas. Le livre des instructions, c'est quelque chose, j'aimerais qu'on en parle parce qu'il est là depuis premier jour sur cette île et je ne l'ai jamais vu. Personne l'a jamais vu. C'est qui l'a le livre? Non, je l'ai redonné. Je l'ai redonné quand on était tout là-haut. À qui? On s'en fout de qui l'a, je veux juste savoir qui l'a. Jack, tu l'as? Ok, bah le personne là, le livre est mort. Vous avez dit quoi? Jack, le livre, qui a le livre? Alors moi, après là, en fait, par terre, ou qui montre en fait les fameux trucs. Mais par contre, le livre de recette, les gars, j'ai jamais vu. Hein. Moi, j'ai demandé des Day One. C'est le livre noir que tu nous as donné tout à l'heure. Oui, ouais, mais celui-là, mais pas moi comme livre. En gros, quand là, je regarde le livre. Quand on va à la page 10, il y a des pages qui sont arrachées. Et en gros, oui. Sur la page de gauche, il dit oui, sur la page de droite, j'ai dessiné la carte de l'île, etc. Donc la carte de l'île, les pages arrachées, c'est la page que t'as. Bud, les pages arrachées, c'est passé à Narine. C'est Narine qui les a. Bah, ouais, je les ai, mais elles sont insignifiantes. Insignifiantes. Et le dos, c'est la page 10 et 11 du livre. Je vous ai mis la carte par terre. Ah, merci à toi. Je regarde. C'est juste ça, il faut juste comprendre en gros. Ça, c'est des écrits d'un docteur, je sais pas quoi, qui voyage dans le temps, je sais pas quoi. Celui qui parle d'un portail, là. Voilà. Oui. Et la weed. Donc le point d'interrogation, c'est peut-être un truc de fou, genre sa machine ou son repère ou j'en sais rien. Ça c'est les termites. Okay. En tout cas ici de mon côté, moi j'avais les égouts où il y a marqué Say Sorry Be Nice et la porte qu'on peut ouvrir avec une dynamite. J'ai remis la carte. Si quelqu'un a de la dynamite, on peut ouvrir une porte. Avec okay. La dynamite, ouais. Est-ce qu'on peut aller sur le point du bunker là ou de je sais pas quoi là sur la carte qu'on a eu? Celui qu'on a eu hier surtout. Bah, moi je l'ai vu, ouais, la carte d'hier. La carte d'hier, c'est moi qui l'ai, ok. Jack, il garde tout ce qu'il a, mec. C'est chiant. J'ai laissé mes habits sur la plage, mais là je sais pas pourquoi mes habits sont bougés. On est obligé de le prendre en callback comme ça pour qu'il parle, c'est relou. Mais en fait, c'est pas en sa faveur de faire ça, les gars. T'es parti te baigner avec la carte? Non. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ses poches, putain? Jack, mais t'es une bibliothèque. Ouais, non, mais elle est visible, la carte. Mais les gars, non, ça c'est sa bite. Mais les gars, dis-moi, s'il vous plaît. En vrai, la carte hier, c'est Karim qui l'a trouvé, ok? Et puis, mets-la dans le truc. Écoutez-moi, et en fait, genre, Karim l'a trouvé, d'accord? Je sais où est le point qu'on doit aller voir, d'accord? Bah, allez, on y va, tu vas nous guider là-bas. On peut y aller, ouais. Venez, si vous voulez, venez. Juste une chose, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur l'autre île. Alors, je vais essayer de le réparer parce que j'ai un marteau. Je vais essayer de réparer le pont. Oh, incroyable. Parce que je peux réparer ces structures. Mais attendez. J'ai l'impression que ça montre un truc sur cette île-là. Le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre, il nous faut du bois. Le feu va s'éteindre. On n'a pas le droit d'y aller. On parle de quoi? On parle du pont là? Pas le droit d'y aller au pont? On y va, on va aller au pont, ouais. On va au pont cassé. Faut trouver le truc là-bas. Le pont, pour moi, il y a le pont, la porte, la bouche d'égout qui sont intéressants. On peut pas faire des torches? Je prends une torche là, vas-y. Ah bah regarde. On peut faire des torches. On peut prendre dedans, oui. Ouais, il y en a quelques-unes là. Il y en a que deux encore. Prenez une ou deux torches et on est parti. Ok, j'ai. Allez-y. Ok, on y va tous ensemble. Essayez d'être léger, d'accord, quand vous partez là-bas. Comme ça, au moins, on peut ramasser pour le retour. On court les gars, on court, sinon ça va être. Allez, on y va là. Petit cheval de manège. Ça se trouve, quelqu'un m'a filé le collier du pouvoir, mais je l'ai même pas capté. Mais François, toi aussi, t'es torse nu là. Oui, mais un DZ n'a jamais le sang-froid. Bunker, il a dit c'est sous l'île, mais j'en suis sûr que c'est sous l'île. Mec, pourquoi il y aurait une combinaison de plongée en fait? Là, il y a une telle devant l'arbre. Ouais. On peut pas la prendre, j'ai déjà essayé, on peut pas la prendre. C'est là où j'ai trouvé la carte. C'est comme Excalibur. Je vous ai montré. Ah, ok. C'est là où j'ai trouvé la carte au tout début. Comme dans Merlin l'Enchanteur. Exactement. Excalibur. Ah, peut-être que c'est Pignon qui est capable de déterrer cette. 5 jours plus tard. Trois éliminations plus tard. C'est maintenant qu'on a enfin ce qu'on aurait dû faire Day One.
Hey, Jack devrait prendre une torche parce que sinon on va se perdre. Ok. Je peux me mettre en peloton de tête si vous voulez. Ouais, ouais, vas-y, Steve, reste à côté de Jack. Vas-y, go. Ouais. Les gars, on a un mec François. Du coup, Narine, est-ce que tu as lu le journal intime? Est-ce que tu non, j'ai pas eu le temps. Dedans j'ai pas eu le temps, mais d'abord. J'avais l'impression qu'il y avait Jack, des infos. Devant, s'il te plaît, Jack. Ok, on envoie ça après avec tout le monde. Ouais, je pense qu'il faudrait le lire ensemble pour essayer de trouver mieux, le plus possible. Ouais. Attends, ouais. J'ai bien la lampe torche, moi. Suivez Jack. C'est la première fois qu'on est tous regroupés. Ah ouais, mais c'est. Je suis d'accord, Stéphanie. Ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on est tous ensemble là et qu'on fait enfin un truc ensemble, ce qu'on aurait dû faire depuis le début. C'est important. Oui, je suis très très heureuse enfin. Plus très très heureux aussi, ça fait plaisir. C'est par ici la croix ? C'est au fond, c'est au fond, c'est au fond. Mais c'est pas là-bas que je t'avais trouvé avec le bunker ou je sais pas quoi, madame Lapsé. Ouais. Allô ? La porte est par là, les gars. La porte est quelque part. Mais je sais où la porte. Elle est à droite, elle est derrière la porte, elle est derrière. Ouais, mais ça se trouve, elle est dans l'eau, mais l'eau elle est froide. Hein. Il y a le pont cassé là-bas. C'est la porte où tu nous emmènes là? Je crois que c'est à la porte, ouais. Ah, mais y'a rien de spécial. Attends, qu'il y a une hache, Ah, moi déjà, moi j'ai une hache. Okay, faudra couper du bois après, je connais trop pour couper ici. Ouais, j'ai là à gauche là-bas. Il faut pas descendre là. Non, mais attention, vous êtes fous. Mais vous êtes fous? Non, mais la porte, normalement, sur la carte, elle était là, moi, la porte. Je crois qu'il fallait aller un peu plus loin avec Abib, on est allé plus loin là-bas la dernière fois. Faut qu'on aille, ouais, un peu. Non, mais je crois que c'est là, si c'est là, mais. Nous dire d'en bas. Il voit quelque chose en bas ou pas? Ouais, elle est là. Vous la voyez? Ah, ouais, elle est là. Okay. Attends, j'y vais. Là, tu vois. Petit pas. Oula, pas mal. Oh, comment t'as fait pour faire ça? Tu sais, des fois, il faut être égal avec soi-même. Égal à soi-même. Oh égal avec soi-même. Oh, je suis égal non, à moi-même. Non, mais tu vas juste rentrer dans le bois là. Non, je rentre dans le cul de. Il nous faut une clé. Il nous faut une dynamite. Regardez, il faut une dynamite. C'est de la dynamite qui est. Ah, mais c'est ça la grotte dont tu parlais, Stéphanie là. Oui, c'est celle-là la grotte que j'ai trouvée le premier jour. Et on m'écoutait pas. Donc c'est celle-là qui a été. Ouais. Quelqu'un a une clé? Est-ce que quelqu'un a une clé dans ses poches encore là? Personne a de la dynamite? Je suis bloqué. Qui a pété? On est dans un. Oh, ça pue. Attends, t'es où? Les gars, on m'ignore là quand je parle. Est-ce que je devrais dire que tous les gens se sont misandres? Et si? Narine. Bah, essaye de se. Ouais. Tu te rappelles la bouche d'égout qu'on a trouvée? Et si la porte menait à la bouche d'égout? Ouais, c'est possible. Putain, j'ai trouvé un truc dans le mauvais sens. C'est bon, j'allais dans le mauvais sens, les gars. Mais Narine, tu fais quoi là? Faut qu'on trouve ce truc. Est-ce que vous pensez que bah, ça peut sécurité, être là? Non mais Narine. J'étais champion d'escalade. Et c'est qui est allé là-bas dans la petite île? Bien joué François, c'est une très belle technique. Ouais, t'as vu ça? Très jolie technique. Merci. Par moi, arrête de faire le pauvre. Là. Tu seras bientôt aussi riche, t'inquiète. Là, il vaut potentiellement de la dynamite pour péter ce truc-là. Non, attends. Moi, quand je mets mes doigts dedans, il y a écrit. Je vois une serrure de clé. Oh, regarde toutes ces blanches qu'il y a. Mais quand tu vas plus en profondeur dans ta serrure de clé, c'est potentiellement de la dynamite. Ah, ok. Ok, ils sont. Il y a beaucoup de blanches. Oh, ouais. Y'a un bodybuilder qui m'a tabassé! Au secours! Casse-lui la gueule! Mais je peux pas! Non mais il était énorme! Y'a des gros. Vas-y! On peut pas remonter par là, les gars! Tiens! J'ai pas l'impression. Ah! On peut bien tomber des arbres, mais. Il faut rentrer. Comment ça? Vous avez checké l'île là-bas? L'île là-bas, vous avez checké? Ouais, j'ai rien. Ok. Y'a du bois là par terre, hein. Y'a du bois par terre, prenez le bois. Ouais, j'ai récupéré, je suis full bois. Ouais, je suis full bois moi aussi.
les gars, tout le monde prend le bois, tout le monde prend du bois, les gars. Les gars, il y a plein de bois ici, ramassez. Ramassez-le, celui qui est en bas là. Il y a qui a les mains vides là. Les gars, ceux qui ont les mains vides, récupérez le bois là. Putain, les gars, c'est dur de jouer en équipe, c'est dur. Y'a pas de passage là-bas, y'a pas de passage. Je vous jure que c'est vrai. Si, faut longer très loin de la ring, c'est ça qui est galère. Putain, il veut pas me croire. Parce que, les gars, j'ai pris une patate. J'ai pris une patate. Non mais c'est sérieux là, ce qu'on est en train de vivre là. Donc les mecs ils ont mis une porte, c'est un endroit où on peut pas remonter. Ah oui non, ouais. Attention monsieur Mucus. Poussez-vous monsieur avec votre caméra là. Je suis survivant ici, moi je suis participant. Sans moi votre caméra elle sert à rien. C'est dur aujourd'hui? Non, je suis content aujourd'hui, c'est bien. Enfin. Si François s'en sort, les gars, je fais une dépression RP et IRL. Je vous le dis, je fais une dépression RP et IRL. Jack, tu sais? Tu connais? Vas-y, on te suit. On y va. On va où là? On va où? On rentre avec les branches déjà. Ok. C'est à gauche la base, hein, c'est à gauche. Le sens de l'orientation, Narin, je suis... Bien sûr. Très important. J'étais scout. De vous à moi. Oui. Vous étiez au courant pour toutes les affaires de Jack? Non. Il m'a juste donné beaucoup de feuilles. Il m'a donné beaucoup de feuilles, mais... Alors, je sais pas que... Qu'est-ce que vous... Je pense que vous pensez que je suis dans des clans, etc. Mais je crois qu'en fait, vous avez oublié que j'ai la tête et le cul dans un putain de potager toute la journée. Mais la dernière fois, vous... Vous étiez vraiment triste pour Camélia. Je me dis. Bah oui, parce qu'elle était utile au clan. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et une télé? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils nous ont ramené une télé avec un groupe électrogène. Il y a un truc à regrouper tout le monde. Les gars, la prod a ramené une télé. Mais non. Mais... Notre objectif à tous, c'est d'y aller les gars, d'aller au front. On est quel jour? Tu te souviens d'Arine? J'ai arrêté de compter les jours. Je crois qu'on est jour 5. Habib, t'as le couteau s'il te plaît? Attends, mais prends ouais, une télé. Couteau, tiens. Je sais pas, mais c'est peut-être un lot de consolation par rapport là, à attendez, la attendez, je pense qu'il faut se mettre. Non, mais il faut être membre gold pour regarder la télé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est Narine qui l'a eu. Tiens, je le mets par terre le couteau. Couteau par terre. Mais il y a un groupe électrogène. Mais l'électricité, on aurait pu l'utiliser pour autre chose. Mais c'est la prod qui nous a mis la téloche là? Moi je pense qu'on doit tous se regrouper et qu'ils vont allumer la télé, ça doit être les trucs de nos caméramans. Ouais, ça doit être ça. Non. On va se faire couper les yep. Mais non, c'est les vidéos de nos familles, ça fait 5 jours que t'es là. C'est pour qu'on regarde les mais films. Moi, ma mère, elle s'en fait un. Mais non, ils ont dû faire un petit truc. Il manque qui là pour. Parce que là, j'aimerais bien savoir si la télé s'allume. Il manque du bois en fait. Attends, tu veux faire quoi? J'en ai mis les pièges à poissons, la troisième. Ah ouais, on est bien. Dis-lui qu'on est bien là, Je vais aller pêcher un peu, je pense. Ouais, mais je pense que c'est pas la peine, on a pas besoin d'un troisième piège. Ouais, c'est bon. Ah ouais, là. Moi perso, j'aurais peut-être même nerfé les pièges à poissons. Ouais, j'ai plein de crabes, viens. Ah, super. T'as regardé s'il y avait des trucs dans le piège? Ouais, tiens. Bah non, c'est bon, parfait. Mais, oh merde, attends, je te donne ça 2 secondes. Mets-le dans le stockage à la limite. Ouais. Non, je crois que c'est dans le feu, je crois. En effet, je vous reçois. Dans le feu, on peut pas le mettre. Il faut le mettre dans le stockage. Mais si, il y en a plein. Non? Des crabes? Ouais, y'a. Si, rien.
Ouais, mais c'est dans le stockage. Tu peux pas les. Tu peux pas les ouais, mais je les, stocke là. À vous. Oh, oui, stocke là, ouais, c'est ça. Stéphanie, regarde dans le stockage du feu, y en a plein. Il y en a plein. Alors, attends, j'essaie de récupérer. J'ai pas trouvé de lettre. À vous. Une lettre. Merci, Narine. De quoi tu parles? On est allé à l'endroit où on devait aller et y a pas de lettre sur la porte. Il parle au Toki, non? Je sais pas, il a pas l'air de parler avec nous, ouais. Ah, y'a ça. Il parle tout seul, ça y est. À côté, il est censé y avoir des lettres dessus. Il a craqué. Il a une oreillette? Non, il a craqué, ça y est, c'est l'insolation. Ah, tu penses? Allez, là, c'est même. Et on peut pas le louper, genre, si on le voit, on peut pas le louper. Il est en train de parler tout seul. Peut-être que c'est les Toltecs, Narine, peut-être. Peut-être que c'est même les Olmecs. 400 avant Jésus-Christ, les Olmecs. Les Olmecs, c'est quoi, c'est une grande mec? C'est ceux qui ont habité cette île et qui l'ont même hanté. Wow, ils ont hanté à je vais vous lire quelques pages, d'accord? Si vous voulez. Non, tranquille, je vais regarder la vidéo de Feldup. C'est sûr qu'il a dû faire une vidéo dessus. C'est qui Feldup? C'est une marque de coca? C'est un gars, c'est un fou furieux. Il aime trop les trucs comme ça, tu sais, où il y a de la paranormalité, des choses. C'est un lieu de sacrifice, c'est pas vraiment rassurant, mais nous avons croisé une colonie gigantesque de fourmis sur le chemin. On a préféré les contourner. Deux, néanmoins réussi à en capturer une qui doit bien faire 2 cm. Nous avons préféré les contourner. Moi, c'est bon. Tu m'as sauvé la vie tout à l'heure, je te ferai un faut le couper, faut le couper. Néanmoins réussi à en capturer une. J'ai pas besoin, j'ai bien mangé. Tu dois bien faire 2 cm. Croyez-moi, vous êtes bien nourri ici, hein, je te le dis. Hein. Ah bah, si, franchement, on est... Alors là. Suspect que ces fourmis soient plus venimeuses que d'apparence. Commencer la rédaction d'un carnet, mais il se réfugie à dévoiler son contenu. Jack, je suis en train de lire les pages là. Vas-y. Et je crois qu'il y a un sens avec la carte que t'as. Parce que je vois des symboles dans les pages que j'ai vues sur la carte. Apparemment, on doit aller à l'endroit sur la carte. Et de là-bas, on devrait voir des lettres écrites sur une petite île. Mais vous avez vu quelque chose quand on y était tout à l'heure? Est-ce qu'on est vraiment allé au bon endroit surtout? Ouais, je sais pas si on est allé au bon endroit. Mais vu qu'on a plus la carte, on peut pas en être sûr, hein, Jack. En fait, la carte, je l'ai, mais elle est. Je pense que je peux la faire sécher. Peut-être qu'en fait, en la faisant sécher. D'eau potable, donc là, je crois qu'on l'a pas sécher. Quelqu'un veut du melon? Vous avez besoin d'eau, monsieur Narine? Non, de l'eau? Du melon? Non, j'ai melon, ce serait bien de remplir les gourdes, mais après, moi je pense que on est vraiment bien. Le potager, je peux me mettre en pause, et là, il faudrait qu'on avance, je trouve. Je trouve vraiment, il faut qu'on avance. Ouais, je pense qu'on devrait aller boire de l'eau aussi avant l'épreuve qui arrive, là, individuelle. Ah, bah tu veux au maximum. On a rien dans les gourdes, là? Bah vas-y, on regroupe tout le monde, je suis d'accord, on regroupe tout le monde et on remplit les gourdes en même temps. Ouais, c'est ça que je me dis. Et peut-être sur le chemin, on trouvera quelque chose. Je coupe la papaye là vite fait. Il va manquer. Pour match pour l'épreuve individuelle. Tu peux remplir les cours très vite. J'ai pris 4 gourdes. J'ai pris 4 gourdes. J'ai 4 gourdes. J'ai une gourde. C'est bon, il y en a 5 normalement. C'est ça. Et les autres, ils sont où? Eh les gars, hier pendant l'épreuve, genre y a quelqu'un qui a pété des œufs. J'ai des œufs. Ouais, mais j'ai essayé, je crois que ça sert à rien. On peut rien faire. J'arrive pas à les cuire. Allons boire avant l'épreuve, je pense que c'est plus sage. Ok. Karim, il t'en dit quoi? Habib, il t'en dit quoi sur le. Il m'a dit qu'en gros, normalement, on devrait trouver les lettres en regardant au loin sur une petite île. Allons boire. En tout cas, c'est comme ça qu'ils les ont trouvées. Ok. Donc apparemment, c'était écrit sur un caillou, il m'a dit. Il m'a dit, on peut pas le rater, quoi. Donc il y a un endroit qu'on doit regarder où il y a écrit des lettres. Et peut-être que ça va nous donner une indication, quelque chose, je sais pas. De toute façon, moi, je suis trop con pour des trucs comme ça, d'énigmes et tout, je comprends rien. Moi, je suis super intelligent, je vais voir, j'ai pas trop soif, je vous rejoins. Allez. Bon, bah, je suis. Déjà, les gars, je vous dis la vérité, je suis beaucoup plus heureux là. Et les gars, il est passé où, François? Je sais pas. Ouais, François, il s'est perdu, je crois. On l'a vraiment perdu. Bah, je pense qu'il est en train d'essayer de faire un exploit pour essayer d'éviter de passer au trou ce soir, je crois. Cela, les a friqués, ça.
je te parlais tout à l'heure. On a besoin ou on est full, on est bien là, on est flop. Ouais, je crois que j'ai rien, les gars. Ça, c'est parfait, ça. J'ai de la papaye, des cocos. Attention. Ah, coco, coco. Ok, bon, ouais, franchement, on est bien là. Là, là c'est cool. Là, tous nos efforts, ils ont payé maintenant. Et là, on est méga bien. Mais dans les journaux, t'as vu, il a dit on a passé une termitière, etc. En fait, il faut, si je lis les journaux, bah en fait, je nous fais avancer, c'est tout.